j'espère que vous avez la forme. Moi, pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, que je vais pouvoir traiter le titre, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo réaction concernant le petit teaser qui vient de sortir concernant Star Wars The Clone Wars, donc la saison finale de la saison 7. Vous savez, elle est déjà sortie en ce moment sur le Disney+ aux États-Unis, elle est aussi sortie en France. Donc, sauf que là, aux États-Unis, ils ont déjà sorti 8 épisodes. Il reste actuellement encore 4 épisodes pour la série, pour cette saison ultime de The Clone Wars. Et franchement, on va tout de suite voir à travers ce petit teaser les images qu'il nous montre. Donc allons-y. Il reste 4 épisodes. Donc là, il se prépare pour aller sur Mandalore. Means everything to the clones. Surely, you have felt it. The dark side has never been stronger. Every choice you have made. Oh les doubles! Oh là là! Oh là là! Waouh! Oh les images qu'on a eues! Donc bien sûr, on nous montre bien sûr les quelques dernières. Pendant les 4 derniers épisodes, on va dire, de cette ultime saison. Se passe, je crois, quelques heures ou quelques jours avant l'épisode 3, hein. Voire même pendant l'épisode 3, je pense. Enfin, je pense que là, les deux prochains épisodes qui vont sortir, ça va se passer dans les quelques heures avant l'épisode 3. Et je pense qu'à un moment, dans les deux derniers épisodes, ça va se passer pendant l'épisode 3. Donc là, vraiment, on est quasiment dans l'épisode 3, vous voyez, dans ces quatre derniers épisodes. Et donc bien sûr on nous montre les quelques dernières batailles entre la République et les séparatistes. Voilà, parce que voilà, faut quand même montrer les quelques dernières phases de bataille entre ces deux camps, cette guerre qui dure maintenant à peu près 3 ans. Mais bien sûr, ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment va se finir la bataille de Mandalore. Parce que vous savez, là on voit la bataille de Mandalore, donc où voilà, Ahsoka va s'unir avec Bo-Katan et ses Death Watch, vous savez, parce que. Voilà, Maul a pris le contrôle de Mandalore et beaucoup de Death Watch ont rejoint la cause de Maul. Mais beaucoup aussi, comme Bo-Katan, ont décidé de ne pas suivre Maul et du coup ont un peu fait la résistance contre l'empire de Maul, quoi, qu'il vient de créer. Et du coup, Ahsoka va aider Bo-Katan et justement, là, on va voir qu'elle va retrouver son maître Anakin Skywalker. Et il y aura bien sûr quelques enfin il y aura il y aura une petite armée de clones de la République qui va être sous les commandes d'Ahsoka et de Rex, parce qu'il y aura aussi Rex avec Ahsoka pendant le combat. Et du coup ils vont ensemble aider Bo-Katan et les autres Death Watch pour libérer Mandalore de Maul, quoi. Et de des Death Watch qui sont unis à Maul, quoi. Donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Hâte de voir sur cette bataille de Mandalore, de savoir en gros qu'est-ce qui va se passer à la fin, tout simplement, parce que là on va entrer carrément dans l'épisode 3, donc forcément on se doute qu'il y aura à un moment donné l'ordre 66 qui sera déclenché, hein, donc on verra comment ça va être réagi des façons des clones qui sont avec Ahsoka et Rex. On va voir comment Rex va sûrement réagir à l'ordre 66, donc on verra, mais en tout cas, c'est très impressionnant rien que les images. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à peu près à vous dire sur ce petit teaser. Donc franchement, dites-moi ce que vous en pensez de ce teaser. Moi, franchement, ce teaser, il est vraiment magnifique, surtout la musique, elle est tellement belle, je trouve. Donc franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez, comment ça va finir, tout ça, et dites-moi si vous avez hâte de voir ça à l'écran. Les prochains épisodes, donc franchement, dites-moi ça. En tout cas, moi j'ai très très hâte. Allez, ceci dit, je vous laisse et puis on se dit à très bientôt pour de futures vidéos. Ciao, bye bye et à la prochaine. Allez, peace.